J'ai regardé cette vidéo, j'ai eu la chair de poule. Mes acolytes, j'ai eu la chair de poule. Franchement, ça dit, tu ne peux pas comprendre comment. Oui. Tu es chez toi, tu dis que ça ne va pas. Mais quand tu vas pour les autres, tu dis, merde. Ça dit, c'est un travail de l'extrême. Regardez de l'eau dans le puits. Ces gens rentrent dans l'eau, ils vont aller creuser de l'eau. Je ne sais même pas comment. Au début, j'ai regardé. Je me disais, mais est-ce qu'il va mettre quelque chose à la bouche pour lui permettre de respirer? Il ne met rien à la bouche. Je vois seulement la corde qu'il a attachée. Mais je dis, comment il fait pour respirer? C'est quand j'ai regardé autour d'eux, j'ai vu qu'il y a un groupe qui est en train de tourner. Je me suis dit, ah, ou bien dans le groupe, ou avec le groupe, ils ont mis un fil, certainement, parce que l'homme ne peut pas, l'homme ne peut pas rester dans l'eau 20 minutes en train de travailler encore sans respirer. Je me suis dit que peut-être qu'il y a un tuyau qui est rentré dans l'eau, mais malgré ça aussi, c'est pas facile. Est-ce que vous avez vu l'eau là? Vous avez vu l'eau là? Regardez bien l'eau. Comment les gens, quelqu'un peut travailler? Ça, c'est le travail de l'extrême. Ce sont les travailleurs de l'extrême. Non, incroyable. On parle des plongeurs, des grands plongeurs. Je vous assure que ce monsieur dépasse même les grands plongeurs. Dans l'eau, parfois, quand tu nages, tu es dans l'eau, au moins tu peux ouvrir les yeux, tu peux voir parce que c'est clair. Dans cette eau, il n'a même pas mis de lunettes. Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut ouvrir même les yeux? Je ne suis pas sûr que ce monsieur peut ouvrir les yeux. Non, ça, c'est incroyable. Non. Vous voyez, parfois, quand on veut dénoncer les choses, on veut dire les choses pour que ça change. C'est même cette jeunesse qui vient encore nous critiquer, nous insulter. Tu te demandes si on leur donne de l'argent, mais en vérité, on ne leur donne pas de l'argent. Ils n'ont rien, mais ce n'est pas jalousie. Ce n'est pas lâcheté. Mais, franchement, regardez comment les gens souffrent pour gagner de l'argent. Et encore, vous allez voir ces jeunes, quand ils ont fini de trouver de l'argent, vous allez voir dans les bars comment ils vont dépenser cet argent. Cet argent de sang, moi j'appelle ça, c'est un argent de sang. Un argent de sueur, un argent d'extrême. L'argent de l'extrême. Les plongeurs de l'extrême. Vous allez voir, ce sont des joueurs de Jambo. Le joueur de Jambo, moi je suis au Togo, mais vous savez, les Camerounais, ils disent le Jambo, c'est le jeu de hasard. Ce sont des gens qui jouent le jeu de hasard. Si vous voyez comment ces gens misent, c'est incroyable. Mais quand Doré est en train de manger sa viande, en train de prendre une bouteille, les gens sont prêts de parler. Au moins, ça, quand tu manges, tu sais que ça descend dans ton ventre. Laissez-moi manger ma viande. Laissez-moi prendre sur ma bière. Même si aujourd'hui, je mets beaucoup de limites, même avec la boisson. Oh, mais ça, c'est bien. Mais vous voyez des jeunes, ils sont en train de jouer le jambo. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une souffrance. Tu ne sais pas maintenant à qui la faute. La faute à nos dirigeants, la faute à la jeunesse, la faute à nous-mêmes, je ne sais pas. Moi, je vous dis, moi, Doré, si un jour j'ai l'opportunité, si je suis célèbre et que quelqu'un, il y a les choses, ici au Togo, on appelle l'ONATO, ou bien les choses, les gens qui misent là, les gens, bon, il y a les sociétés de Paris, bon, puisque moi, je ne suis pas habitué, donc je ne me rappelle pas de nom, les sociétés de Paris qui me s'approchent de moi pour me proposer de l'argent pour faire la publicité, je fais la publicité, je prends mon argent et je fais la publicité. Parce que ce n'est pas moi qui va changer les choses. Ce n'est pas moi qui va changer les choses. Il y a trois personnes dans cette vie que tu ne peux jamais conseiller. Et ces trois personnes, il y a les joueurs de Jambo là, les parieurs, un joueur de loto. Tu vas faire comment pour lui conseiller? Ça dit, les gens, ils ont la foi. Jésus, à l'époque de Jésus, il disait que si tu as la foi, si quelqu'un a la foi, il peut soulever même des montagnes, il peut faire déplacer les montagnes. Non, ça c'était à l'époque de Jésus. Les joueurs de Jambo, ils ont la foi, ils peuvent faire même déplacer les planètes. Il peut faire pour déplacer la planète. La deuxième personne que tu ne peux jamais conseiller, c'est une fille amoureuse. Tu fais comment pour conseiller une fille amoureuse, une femme amoureuse? Surtout même un amoureux, mais surtout les femmes, une femme amoureuse. Tu fais comment pour la conseiller? Tu vas perdre seulement que ton temps. Tu ne vas que perdre ton temps. Elle ne va pas t'écouter. Non, c'est impossible. Et la dernière personne aussi dangereuse, c'est les fidèles des aiguilles de réveil. Moi, je les appelle les aiguilles de réveil. Ce sont les fidèles des aiguilles de réveil. Tu ne peux pas conseiller un fidèle de l'aiguille de réveil. Tu ne peux pas, c'est impossible. Donc, ces personnes, tu ne peux rien changer. Tu vois, on est venu, on a vu ça. On va partir souffrir avec ça. Allez, moi, si je trouve même le moyen de,
je gagne de l'argent. Ça dit, oh, mes propos, moi j'ai fait. Je signe mon contrat et puis on quitte sur ça. Basta. Des jeunes qui souffrent, mais vous voyez comment ils misent à la Lonato. Ils jouent au loto, les paris foot. Mais eux-mêmes, ils n'ont rien. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui a joué le Lonato et loto jusqu'à il a construit une maison. Non, jamais. Si même il a construit une maison, c'est qu'il travaille quelque part. C'est cet argent même qui l'a permis de construire une maison. C'est pas le Lonato qui l'a permis de construire une maison. Tu vas voir des jeunes, ils vont te dire que eux, ils ont joué loto, ils ont acheté moto. Moto, c'est quoi? C'est comme ça aussi que tu vas vendre encore la moto là pour jouer loto. Franchement, c'est le travail quand tu vois ça, quand tu vois des jeunes qui souffrent comme ça. Parce que ça peut être nous. Nous aussi, on se bat, on dit que ça ne va pas. Mais quand tu vois ça, ces travailleurs de l'extrême, tu as envie seulement de dire, ouh, incroyable. Mais ça, quand tu parles de ces maladies, je m'arrête sur ça. Et je pense, je crois en âme et conscience qu'un jour, ça va changer. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi comme un joueur de loto. Il faut avoir la foi comme une fille amoureuse. Il faut avoir la foi comme un fidèle des églises de réveil. Un fidèle de l'église de réveiller. Donc, c'est toujours votre humble serviteur, Sergent Bilal Doré. Et vous le savez déjà que c'est un plaisir, un réel plaisir. Je suis dans mon boom cœur. Partagez, partagez. Oui.